aujourd'hui, on va parler de L'amour flou, un film qu'on a beaucoup aimé toutes les deux, qui est drôle, tendre, de et avec Romane Boringer, et de et avec Philippe Rebeau. On s'est dit que c'était une bonne idée, parce que en ces temps difficiles... Ça fait du bien, c'est un film qui fait du bien, même si bon, c'est quand même l'histoire d'une séparation. Ça n'a pas l'air d'être hyper drôle. Mais une belle séparation. C'est comment se séparer ensemble, après 10 ans d'amour et 2 enfants et un chien. Et donc ils le font d'une manière vraiment originale. Ils vont inventer une nouvelle façon de se séparer. En choisissant d'avoir un sépartement. Voilà, le sépartement, qu'est-ce que c'est? On vous explique ça rapidement. Le principe, c'est donc que nous avons notre couple qui se retrouve à acheter un appartement. Enfin, en réalité, 2 appartements qui sont dans un même immeuble et côte à côte. Et les 2 appartements sont reliés par une partie commune qui est la partie des enfants. Et donc, les enfants vont pouvoir passer d'un appartement à l'autre. Et ça va être effectivement un élément comique quand même du film, puisque le film, en fait, il s'attache à montrer leur vie après cette séparation. On retrouve, mais en version un peu plus exacerbée avec les enfants, le truc de « Alors ce soir, je mange chez maman. Oui, mais peut-être que chez papa, il y a la télé. Oui, mais en fait, il y aura la pizza chez papa. » Bon, au final, on voit qu'au début, ils finissent ensemble dans le même appartement, donc ils ont un peu de mal quand même à trouver leur propre rythme. Mais finalement, on voit assez peu les enfants quand même dans le film. C'est vrai qu'on voit peu les enfants, mais le peu qu'on les voit, on a quand même la sensation que c'est une situation qu'ils vivent plutôt bien. Et après, moi, ce que j'ai trouvé hyper drôle, c'est la relation aussi de Philippe Rebeau avec le chien. Voilà, chienne. Et donc, elle déteste ce chien, donc il reste avec le chien, il s'en occupe beaucoup, et il passe beaucoup de temps au parc à le promener, et donc il croise Reda Kateb, enfin, je sais plus comment s'appelle le personnage, mais qui est joué par Reda Kateb, qui est un amoureux des chiens, et donc qui fait plus ou moins la psychanalyse aussi du chien, en lui disant, mais il faut que tu lui parles, il faut que tu lui expliques que vous êtes séparés, que maintenant il va vivre que avec toi, et qu'il t'aura pour toi tout seul, et... Tout n'est pas racontable parce que c'est vraiment une atmosphère, c'est vraiment très intime. C'est vraiment leur histoire. Et aussi, ce qui est génial, c'est qu'ils ont un sens de l'autodérision. Que ce soit vraiment d'un côté comme de l'autre, ils se mettent en scène dans des moments pas toujours très, très gratifiants où les choses capotent. Il y a notamment un moment avec Romane Boringer où elle rencontre un gars, on se dit « Ah ça y est, là ça va être son coup du soir ». Et en fait, mais le type est juste horrible de bout en bout. Il est là, non, mais finalement, ah, mais en fait, j'ai mal. Ah oui, j'ai un problème digestif. Ah oui, mais j'ai ci, mais j'ai ça. Jusqu'à la fin où ils sont dans le lit et lui tourne le dos jusqu'au bout. Et on est là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce gars? Et puis, des moments entre eux aussi, quand même, où on voit quand même quelques petits moments d'agacement. On sent que quelque part, qu'ils sont passés à autre chose et que c'est quand même une séparation. Mmh. Et en même temps, voilà, sans rien dévoiler, des moments qui sont vraiment très tendres, assez poétiques, et où on se dit presque, oh là là, oui, on aimerait se séparer presque pour vivre la même chose, quoi. Ouais, ou alors on se dit, ah, on aimerait qu'ils se séparent pas parce qu'ils sont trop bien, enfin, ils vont trop bien ensemble, et c'est beau, quoi, ce qu'ils ont créé, et même leur séparation, ils en ont fait quelque chose de beau, quoi. On pourrait se dire que c'est un film un peu auto-centré, etc. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est tellement drôle. Et aussi, quand même, avec des moments un peu plus touchants, un peu plus graves. Moi, je trouve que c'est une vraie réussite. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi un vrai équilibre entre les deux. On voit autant l'un que l'autre. Et ça, c'est vraiment beau aussi. À voir. On espère qu'on vous a convaincu de voir ce film. Voilà, si vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes, ou si vous aimez bien aussi ces deux comédiens, ça vaut vraiment le coup.